Franklin et le chevalier vert. Franklin savait compter deux par deux et lacer ses chaussures. Il adorait les giboulées de mars, si brèves et si soudaines, les chaudes journées d'été et la fraîcheur du vent d'automne. Il aimait aussi l'hiver parce que pour lui, l'hiver, c'est la neige. Et rien ne le rendait plus heureux que de jouer dans la neige. Un jour de janvier, où le grand manteau blanc était plus épais qu'il n'avait encore jamais été, d'après les habitants de cette région, Franklin était tout particulièrement heureux. Une chose merveilleuse devait arriver, et cela changerait sa vie pour toujours. On dirait des anges de neige, c'est drôle, non? Regardez, moi aussi j'ai fait un ange de neige. Oui, magnifique, Arnaud. S'amuser à cache-cache. Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça! Et voilà. Nananananer. Raté. Coucou. Cours, Martin, cours. Empoigne-toi, Arnaud. Il est tombé beaucoup de neige la nuit dernière. Oui, c'est la première fois que j'en vois autant. Oui, moi j'adore l'hiver. Hé, est-ce que l'un de vous a vu Franklin ce matin? Non, pas encore, mais on va sûrement le rencontrer. Le premier qui arrive en bas a gagné. Oui, d'accord, attention, prêt? Partez! Alors les filles, on traîne? Hé! Je crois qu'on va gagner, Martin. Oui! Regarde, c'est Franklin là-bas. Oh oh! Franklin, attention! Oh! Oh! Tourne, 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 tourne! Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! Oh! Ouf! Bah, je crois qu'on a gagné. Arnaud, Arnaud, tu vas bien? Il doit y avoir un peu de neige dans ma coquille. Tiens, garde ça sur toi un moment, ça va te réchauffer. Merci. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je dirais de gros champignons. N'importe quoi, tout le monde sait que les champignons n'ont pas de jambes. Ce sont des tortues de neige. La plus grosse, c'est le papa. Celle-ci, c'est la maman. Et celle-là, c'est moi. Excuse-moi, mon cher. Si je ne me trompe pas, dans ta famille, il n'y a que trois tortues. Alors, qui est celle-ci? Ce n'est pas une tortue. C'est moi, n'est-ce pas, Franklin? Bien joué, Arnaud. Mais en vérité, nous sommes quatre dans ma famille. Enfin, nous allons bientôt être quatre. Veux dire que ma maman va avoir un petit bébé? Oh! Waouh! Un bébé? Et ce sera une fille ou un garçon? Ce sera une surprise. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis longtemps, je rêve d'être un grand frère. Mais pourquoi tu as tes amis près de toi? Mes amis sont très très gentils, je les aime beaucoup, mais ça n'a rien à voir. Un petit frère ou une petite sœur, c'est différent. Oui, c'est super des bébés. Et ils sont tellement mignons. Ouh! Faudrait peut-être revenir sur Terre. Tout le monde sait que les bébés ne sont pas toujours drôles. Qu'est-ce que tu racontes, Lily? Les bébés sont de vrais petits amours? Exactement. Et Franklin, j'ai une petite sœur que je berce quand elle pleure. Mais dès qu'elle est consolée, elle lui tape sur le nez. Lily! Et Franklin, tu sais que mon frère adore aller se cacher. Mais si tu trouves sa cachette, il te donne un coup de bec. Lily! Oh oui, quelle joie d'avoir des frères et des sœurs. Tant à partager, tant de choses à se dire. Et ce qu'on aime quand on a des frères et des sœurs. C'est pas facile à dire. Oh.
Et Franklin, si c'est un frérot, tu seras son héros. Mais attention aux dégâts s'il veut sauter dans tes bras. Et Franklin, si c'est une petite sœur, elle te regardera faire. Mais quand elle t'imitera, attention aux dégâts. Oh oui, quelle joie d'avoir des frères et des sœurs. Tant à partager, tant de choses à se dire. C'est qu'on aime quand on a des frères et des sœurs. C'est pas facile à dire. Donc, Franklin, la première chose que tu dois savoir, c'est que les bébés accaparent toute l'attention. Déjà, quand ils naissent, ils ne te lâchent pas. Ce sont de vrais pots de colle et c'est très déplaisant. Ils gigotent sans cesse. Ils crient tout le temps. Ils boivent et bavent. Ils sentent mauvais. Ils pleurent. Gênent. Et gémissent. Et dès qu'on les met au dodo, ils se réveillent. Crachent et s'agitent. Cassent tout. Trépignent et dégoulinent. Ils sont bruyants, dégoûtants. Ils éclaboussent tout partout. Ils rotent. Ils salivent. Et ils têtent. Des machines. À bêtises. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Hey, attendez voir. Quand j'aurai un frère ou une sœur, moi je serai ravie. Même s'ils pleurent et crient, bavent et mordit, boit, sont mauvais, crachent, cassent et salit tout, il sera de ma famille. Oh oui, quelle joie d'avoir des frères et des sœurs. Tant à partager, tant de choses à se dire. C'est pour même quand on a des frères et des sœurs. Oh oui, quelle joie d'avoir des frères et des sœurs. Tant à partager, tant de choses à se dire. C'est pour même quand on a des frères et des sœurs. C'est qu'ils ont tant à nous offrir. Alors, quand est-ce qu'il arrive, le bébé? D'après maman, il est prévu pour le début du printemps. J'ai vraiment hâte d'y être. Franklin va bientôt être un grand frère. Grand frère Franklin, grand frère Franklin, grand frère Franklin, grand frère Franklin. Bien qu'il aimait beaucoup l'hiver, Franklin désirait vivement voir le printemps montrer le bout de son nez. De son côté, le printemps ne semblait pas pressé du tout. Janvier s'en alla pour laisser février s'installer. Printemps arrive ou pas? Oh, j'espère quand même qu'il va se dépêcher. Nous devons peut-être attendre que le chevalier vert nous apporte le printemps. La quête du chevalier vert. Je me souviens de cette histoire. Ça fait drôlement longtemps que tu ne me l'as pas lue, maman. Ah, voilà. Ta grand-tante Ariette m'a offert ce livre quand j'étais une petite fille. Grand-tante Ariette donne toujours les plus beaux cadeaux. La quête du chevalier vert. Un jour, qui n'est pas très proche de nous, mais qui n'est pas extrêmement éloigné non plus, il y avait un village, ni très petit ni très grand, dont le printemps n'arrivait pas. Il était très en retard et les gens s'inquiétaient vivement. Si nous ne pouvons pas planter nos cultures avant l'été, nous mourrons de faim l'hiver prochain, criait le peuple. De courageux chevaliers venus de tous horizons s'engagèrent à apporter le printemps au village. Hurrah ! Vive les braves chevaliers ! Acclamait le peuple. Mais malgré tous les efforts du monde qu'ils fournirent, les braves chevaliers échouèrent et le printemps ne vint pas. Nous sommes perdus ! Criait le peuple. Mais tout n'était pas perdu. Dans le château qui dominait le village, vivait le plus courageux de tous les chevaliers, le chevalier vert. Maman, tu as vu, le chevalier vert est vraiment vert. Exactement comme une petite tortue que je connais. Hélas, chevalier vert, j'ai peur que nous manquions tous de nourriture, dit l'écuyer. Je n'ai peur de rien, répondit le chevalier vert. Et alors, le chevalier vert et son fidèle écuyer partirent à la recherche du printemps. Je rapporterai le printemps à ce pays triste, gris et désespéré. Je suis le plus courageux chevalier de toute la terre. Le peuple n'acclamera personne d'autre que moi. Sauf votre respect, je pense que nous ne sommes pas partis dans la bonne direction, messire. Sauf mon respect, je pense que j'ai entendu quelque chose. Ou quelqu'un plutôt. Écoute, écuyer, on a besoin de mon aide. Très, très bien. En avant! En avant! Au secours! Lâche immédiatement ce lutin. Ah!
Merci, vaillant chevalier, merci, merci. Quel courage, quel héroïsme, quelle force. Oui, oui, désolé mon ami, je dois partir. Le printemps nous évite, vous comprenez? Écuyer? Messire... Ah, attendez, si c'est le printemps que vous recherchez, permettez-moi de vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Au fin fond de la forêt, là où le soleil brille et où l'arc-en-ciel se pose sur le sol, il y a un magnifique cerisier aussi vieux que le temps lui-même. Cueillez quelques petites fleurs blanches de ce vieil arbre et répandez-les sur vos terres. Le printemps arrivera très vite. Peux-tu nous indiquer le chemin, lutin? Le chevalier vert va bientôt trouver le printemps, n'est-ce pas? Oui, très bientôt. Le chevalier vert suivit le chemin indiqué par le lutin et découvrit un cerisier débordant de petites fleurs magiques. Écuyer, messire, quel bonheur de toucher le cœur du printemps! Tout à coup, surgit une voix venant de nulle part et de partout à la fois. Halte! Qui va là? C'est ça? Presque. Halte! Je suis le gardien du cerisier. Qui ose l'approcher? Moi, je suis le chevalier vert. J'ai traversé la forêt pour cueillir quelques fleurs de cet arbre afin que mon pays puisse voir le printemps. Vous ne pouvez pas prendre ces fleurs, elles ne sont pas à vous. Vous devez d'abord prouver que vous les méritez, chevalier vert. Messire, dit l'écuyer. C'est le dragon le plus redoutable que j'ai jamais vu. Mais je n'ai peur de rien. Écuyer, ma lance. À l'attaque! À l'attaque! Du dragon est épaisse comme une armure. Aucune lance ne peut la traverser. Oh! Mais oui, la queue du dragon n'est pas enveloppée d'une cuirasse. Attends une seconde. Mais les grenouilles n'ont pas de dents. Oui, tu as raison. Mais sûr. Écuyer. Maintenant, mon pays va savoir que moi, le chevalier vert, je suis le plus brave, le plus héroïque de tous les chevaliers. Ainsi, c'est la gloire que tu désires et pas le bonheur de ton peuple, chevalier vert. Tu as peut-être réussi à vaincre le dragon, mais hélas, tu n'as pas de quoi être fier. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'il veut dire, le gardien du cerisier? Il veut dire que parfois, il ne suffit pas seulement de faire de bonnes choses. Surtout si c'est pour satisfaire sa vanité. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le chevalier vert? La seule chose qui convenait à cet instant. Je ne suis pas un vrai chevalier. Un vrai chevalier doit agir avec un cœur pur. Messire! Attends un peu, chevalier. Grâce à cette sage parole, tu as effacé toi-même ton erreur. Tu peux prendre quelques fleurs du cerisier magique. Merci infiniment, gardien de l'arbre. Tu as beaucoup de sagesse et de générosité. Au revoir, chevalier vert. Au revoir, écuyer. Bonne route. Le chevalier vert et son écuyer se dépêchèrent de rentrer pour semer les fleurs du cerisier. Bon voyage, hiver, et sois le bienvenu parmi nous, printemps. Le chevalier vert souriait de bonheur.
Il avait laissé entrer dans son cœur la beauté du printemps. Fin. Waouh ! Quelle belle histoire, maman ! Dis, tu peux me la lire encore une fois ? Tu peux ? Oh, s'il te plaît ! On verra demain, mon petit chéri. Pour l'instant, il est l'heure d'aller dormir. Oh, je n'ai pas du tout sommeil. Mais moi, oui. Bonne nuit, maman. Oh, on aurait vraiment besoin du chevalier vert en ce moment, n'est-ce pas, Sam? Bonjour Lily, qu'est-ce qu'il neige, hein? Il serait temps que le printemps arrive, je commence à en avoir assez de cet hiver, c'est vraiment trop barbant! Le printemps, c'est ma saison préférée. Oui, moi aussi, je peux jouer avec mon cerf-volant. Moi, je peux faire de la trottinette. Et on peut tous aller faire de la bicyclette. Et cueillir de beaux bouquets de fleurs. Plus de bottes, plus d'écharpes, plus de bonnets et plus de paires de moufles. Ah! Vous savez pourquoi j'aime le printemps? Eh bien parce que c'est à cette période que la sève s'écoule dans les arbres, surtout dans les érables, et alors on fait du sirop. Et au printemps, maman aura son petit bébé. Alors j'espère que le printemps n'arrivera jamais. Mais je croyais que tu avais dit que le printemps était ta saison préférée, Arnaud. Non, plus maintenant. Oh. Oh. Elle serait très jolie si c'était une vraie tulipe, n'est-ce pas? Il manque un petit quelque chose aux fleurs en papier, c'est sûr. Écoutez, les enfants, bien que la terre soit encore recouverte de neige, j'ai pensé que nous pourrions commencer à réfléchir et même à préparer sérieusement la fête du printemps. Oh, oui. Avez-vous quelques suggestions? Oui, moi. Martin? On peut vendre des gâteaux. Excellente idée, Martin. Autre chose? Lily? Si on fabriquait un mat de cocagne, Monsieur Hibou, on pourrait le décorer avec des fleurs et des rubans et tout le monde danserait et chanterait en tournant autour. Moi, je mettrais mon beau tutu. Ah! C'est la tenue que portent les vraies danseuses. Très bien, Lily. Quoi d'autre encore? Oui, Franklin? On pourrait jouer une pièce, Monsieur Hibou. Ma maman m'a lu un très joli conte hier soir. C'est l'histoire d'un bon chevalier qui apporte le printemps. Ah oui! Le chevalier vert. Ça fera une pièce de théâtre superbe. Le chevalier vert. C'est une de mes histoires préférées, je l'adore. Eh bien, c'est entendu. Mes élèves présenteront la quête du chevalier vert. Mais qui interprétera le rôle du chevalier, Monsieur Hibou? Franklin, bien sûr, puisque c'est son idée. Et en plus, je suis vraiment vert. Qu'en pensez-vous? D'accord, oui. Parfait, nous sommes tous d'accord. Franklin sera notre chevalier vert. Oui, oui. Validé. Tu penses que le printemps va bientôt arriver? Monsieur Hibou l'a dit, on peut lui faire confiance, il sait tout. Je ne vois rien d'autre qu'un beau tapis de neige. Toujours de la neige. De la neige, qui veut de la neige, des petits flocons? Hé hey! De la neige, encore de la neige, toujours de la neige. Vous savez quoi? C'est sûrement la neige qui cache le printemps. Alors il faut qu'on cherche derrière l'horizon. En haut et en bas. Et on trouvera l'endroit où il n'y a pas du tout de neige. Regarde le ciel, pense au soleil, appelle le printemps, oubliez le froid pénétrant que chacun guette, attend et cherche le premier présage d'un nouveau paysage. Car le printemps est très impatient. Fondu la glace, adieu les congères. Va-t'en, bonhomme hiver, bon vent.
jusqu'à l'année prochaine. De la neige et encore de la neige. Ah. Peut-être que le printemps y est tout simplement enfoui. Tu as raison, Lily. Il faut vite le retrouver. Printemps, où es-tu? Printemps, où es-tu? Printemps, où es-tu? Printemps, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais. J'ai pensé que vous auriez besoin d'une aide supplémentaire dans la maison. Et puis, il y a la réception à préparer pour le petit bébé. Comment on peut réceptionner le bébé puisqu'il n'est pas encore né, papa? Une réception, c'est une fête. Il y aura des gâteaux, des boissons et des cadeaux. C'est une sorte d'anniversaire qu'on organise pour fêter la venue imminente d'un nouveau-né. Un bébé. Oh, est-ce que tu te rends compte? Très, très bientôt, tu seras un grand frère. Oui. Je sais. Bien. Qui veut de la soupe aux mouches? Moi, j'adore ça. Oui, merci. Juste un bol, merci. En tout cas, Franklin, c'est une bonne chose que l'hiver ne finisse pas. Tes tortues de neige durent plus longtemps. Je ne suis pas d'accord avec toi, Basile. Il ne peut pas y avoir de bonnes choses avec un hiver si long. Vous savez quoi? Il y a une fête demain chez moi. Est-ce que nous sommes invités? Eh bien... non. Si vous organisez une fête, pourquoi on n'est pas invité? Parce que je crois que c'est seulement pour les grands. Ta famille fait une réception pour fêter la venue du bébé, n'est-ce pas? Oui, mais pourquoi vous me demandez ça? Il y a un problème. Le bébé n'est pas encore né et ta famille organise déjà une fête pour lui, tu te rends compte? Profite de tes parents pendant qu'il en est encore temps. Qu'est-ce que tu veux dire, Lily? Écoute, Franklin, la réception en l'honneur du bébé n'est que le début. Quand le bébé sera né, ta maman et ton papa seront tellement occupés avec lui qu'ils n'auront plus de temps pour toi. Tu veux que je te dise, dans une famille, le nouveau-né devient le centre du monde. Les grands n'y peuvent rien. Ils deviennent gaga avec les bébés. Gaga. Gaga. J'ai hâte de voir ce bébé. Comment ça me font craquer? Tous ces cadeaux, il y en a peut-être un pour moi. Pour le bébé tortue. Au petit bébé tortue. Bébé tortue. Oh, ils sont tous pour le bébé, rien pour moi. Oh mon Dieu. Coucou mamie. Si tu savais comme je suis heureuse, bientôt je serai une deuxième fois grand-mère. Mais tu es ma grand-mère à moi.
Oh, comme c'est adorable. Regardez cette jolie petite paire de chaussons en laine. Merci à vous, monsieur et madame Renard. C'est avec plaisir. Ils grandissent tellement vite, ces petits chéris. Parfois, on aimerait qu'ils restent nourrissons. L'enfant va venir chez nous demain matin pour préparer le décor. J'ai quelques pots de peinture verte pour les plantes et les fleurs, si cela vous intéresse. Ce serait tellement plus joli dans un environnement naturel, avec de vraies plantes et de vraies fleurs. Il faudrait que le printemps soit au rendez-vous. Oh, si le chevalier vert pouvait voler à notre secours. Mais oui, c'est ça, je vais apporter le printemps à Forêtville et tout le monde sera drôlement fier de moi. Papa, est-ce que tu sais où est-ce qu'il y a un vieux cerisier dans les environs? Eh bien, quand j'étais petit, ta grand-mère m'emmenait souvent cueillir des cerises dans un vieil arbre près d'un lac au pied de la montagne. Près d'un lac au pied d'une montagne. Merci, papa. Vaut mieux manger des cerises que des bonbons. Quand ce sera la saison, nous devrions y aller. Grand-mère, si je devais chercher un écuyer, où je pourrais le trouver? Voyons, je ne sais pas trop. En fait, un écuyer, c'est une personne qui t'accompagne partout. Ah oui, comme un ami. Comme un fidèle ami, qui reste toujours auprès de toi, malgré toutes les épreuves. Maman, à part le bouclier et l'épée, de quoi le chevalier vert a-t-il besoin? Eh bien, je ne sais pas, j'imagine qu'il prend un peu de nourriture. Oui, c'est ça, de la nourriture. Veux-tu un biscuit avant d'aller dormir? Franklin? Bon, il m'en a au moins laissé un. Le jour est levé, Sam. C'est l'heure, il faut que je me prépare. Je suis le Chevalier Vert, le grand sauveteur. Dans quelques heures, le printemps rayonnera partout sur Forêtville et ce sera grâce à moi. Le Chevalier Vert s'en va au devant de son écuyer. Au revoir, Sam. Excuse-moi, Arnaud, je ne t'avais même pas vu. Dis, tu vas chez Lily, toi aussi? Qu'est-ce que c'est que ça? La moufle de Franklin, justement, je vais la lui rendre. Tu ferais bien de te dépêcher. J'ai entendu dire que Madame Castor avait fait des muffins. Je vais aussi vite que je peux. Tu sais, ils sont bien meilleurs quand ils sortent du four. Oh oui, hier, il y a eu la réception pour le bébé chez Franklin. Il va peut-être nous rapporter quelque chose. Hé, Martin! Attends-moi! Martin! Je n'arriverai jamais à temps à la maison de Lily. Tu as vraiment de la chance, bébé tortue. Tu vas avoir un grand frère qui fera tout pour que tu ne sois pas en retard à l'école ou chez tes amis. Il t'aidera aussi à faire tes devoirs et il jouera avec toi. Mais par-dessus tout, tu as encore plus de chance parce que tu as Franklin. Arnaud? Qu'est-ce qui se passe, Arnaud? Oh, rien. C'est parce que j'ai quelque chose dans mon œil. Tiens, je te rends ta moufle. Merci. Franklin, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener chez Lily? Excuse-moi, ce serait avec plaisir, mais je n'y vais pas, désolée. Tu n'y vas pas? Mais tu es habillée pour jouer la pièce. Non, pas pour jouer la pièce, Arnaud. C'est simplement parce que je suis le Chevalier Vert. Tu es le vrai Chevalier Vert? Oui. Et je vais de ce pas à la recherche du printemps. Waouh! Si tu rapportes le printemps à Forêtville, tu seras un vrai héros. Bon, il faut que je m'en aille. Avec un peu de chance, j'arriverai à la maison des castors avant la tombée de la nuit. Bonne route! Attends, Arnaud!
Le chevalier vert a besoin d'un écuyer, tu sais. Est-ce que tu veux bien être le mien? Tu es sérieux? Tu veux vraiment que je vienne avec toi? Oui, bien sûr. J'ai l'honneur de te proclamer écuyer Arnaud. Debout, écuyer Arnaud. Que puis-je faire pour vous servir, chevalier vert? Sois un écuyer fidèle et courageux pour cette quête du printemps. Un autre muffin, Martin? Merci, Madame Castor. Oh. Franklin ferait peut-être bien de se dépêcher, sinon il n'y aura plus une miette quand il arrivera. Je suis bien contente que tu les aimes. Où est Franklin, d'ailleurs? Je sais que les tortues sont particulièrement lentes, mais il n'a jamais été aussi en retard. Il est sûrement resté avec ses parents pour les aider à ranger la maison. Il y avait du monde pour la réception. Vous allez vous régaler, je vous ai fait les meilleures crêpes aux mouches du monde. Oh, quelle bonne idée! J'ai l'impression que les deux autres ont une petite panne d'oreiller. Oh, tiens, en voilà une. Est-ce que l'un de vous a vu Franklin ce matin? Il n'est pas dans sa chambre. Eh bien, où est-il passé? Monsieur Hibou a dit hier que les enfants de la classe devaient travailler la pièce pour la fête du printemps. Oui, le chevalier vert va nous sauver de cet interminable hiver. Ce n'est pas normal, il n'a pas l'habitude de quitter la maison sans prévenir. Le cerisier est près d'un lac au pied de la montagne. Et je sais que le chemin mène à la montagne. Oh non, c'est pas vrai. Je suis désolée, Arnaud. Je crois que je ne sais pas quelle direction je dois prendre. Dans l'histoire, le lutin montre le bon chemin au chevalier vert, tu te souviens? Oui, mais qui va nous l'indiquer à nous? J'ai l'impression qu'il va faire beau aujourd'hui. Oh, zut, zut, zut. Au secours. Au secours. Oh, j'ai l'impression qu'on ne trouvera pas le printemps aujourd'hui, Arnaud. Allez! Tu as entendu, écuyer? Quelqu'un a besoin de mon aide, viens! En avant! Ah, zut, zut, zut. Pourquoi ne suis-je pas restée dans mon lit? Ah, qu'est-ce que c'est? Qui est là? Le grand sauveteur, le chevalier vert! Excusez-moi, monsieur. Est-ce que c'est vous qui avez demandé du secours? Moi? Appeler au secours? Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'aide? On dirait que vous êtes coincé. Coincé? Complètement absurde. Je peux retourner à l'intérieur quand bon me semble, si vous voulez savoir, oui. Seulement, je n'ai pas envie tout de suite. Voilà, c'est tout. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas coincé, monsieur? Même pas un tout petit peu. Oui, mais juste un petit peu. Ne vous inquiétez pas, je m'appelle le Chevalier Vert et je suis ici pour vous secourir. Nous sommes ici pour vous secourir. Nous sommes ici pour vous secourir. Parfait. Alors qu'est-ce que vous... Attendez, lâchez-moi, lâchez-moi. Vous ne voulez pas qu'on vous aide ou quoi? Bien sûr que je veux. C'est seulement que... À mon avis, vous aurez plus de chances de réussir si vous me tirez par mon côté le plus large. Oh! Entrez par là, la porte n'est pas fermée. Oh! J'ai l'impression que ça ne va pas être facile. S'il est coincé, on doit sûrement pouvoir le décoincer. On tire? On tire!
Oh. Oh, ça me chatouille. Excusez-moi. Mille milliers de merci. Je vous en prie. Je suis Monsieur Marmotte. Je m'appelle Franklin, le Chevalier Vert. Et lui, c'est... Arnaud, mon écuyer. Est-ce que vous allez bien maintenant, monsieur? Oui, on ne peut mieux. Mais je me demande comment j'aurais fait si vous n'étiez pas passé par ici. Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier, Chevalier Vert? Eh bien, nous cherchons un très vieux cerisier. Il est situé près d'un lac, au pied de la montagne. Savez-vous quel chemin on doit prendre? Oui, je connais très bien cet arbre. Prenez le chemin de droite, ce n'est pas loin. Merci beaucoup, cher monsieur. Allez, viens, écuyer, on n'a pas le temps de s'amuser. Au revoir, monsieur. Et merci. Au revoir. Merci à vous. Je voulais vous dire, Chevalier Vert, j'adore votre costume. Oh, et surtout, les amis, restez bien sur le chemin. Faudrait pas vous perdre. Quelle noblesse. Ce sont de bons et braves gentilshommes. Zut et zut. Il a dit, prenez le chemin de droite. C'est une chance que Monsieur Marmotte nous ait indiqué le chemin, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement comme dans l'histoire. Tu te souviens, Arnaud? Le lutin avait montré la direction à prendre au Chevalier Vert. Mais c'était Monsieur Marmotte, pas un lutin. Peut-être que le lutin s'est déguisé en Monsieur Marmotte. Ah! De toute façon, son secret sera bien gardé avec moi, sûr. Tu veux dire avec nous? Je veux dire nous. Si c'était le vrai lutin de l'histoire, alors où est l'énorme animal qui a férocement combattu le Chevalier Vert? C'est juste le vent. J'ai peur. Tu es en sécurité avec moi. Le Chevalier Vert n'a peur de rien. Excepté peut-être de... Oui, tant mieux. Mais, par contre, maintenant, je crois que nous sommes perdus. Perdus dans la forêt. Une tortue avec un escargot sur son dos, original. J'ai vu bon nombre de choses intéressantes dans ma vie, mais celle-ci, c'est la toute première fois. Vous êtes le monstre que le Chevalier Vert doit vaillamment combattre, n'est-ce pas? Un monstre? Un Chevalier Vert? Je ne suis pas un monstre, jeune homme. Je suis seulement un aigle, et je ne souhaite en aucun cas me battre avec toi. Ah, vraiment? Vraiment? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que vous faites ici tous les deux si loin dans la forêt? Nous cherchons un très vieux cerisier, et il paraît qu'il est situé près d'un lac, au pied de la montagne. Oui, je le connais. Il est sur l'autre versant de la montagne. Sur l'autre versant? Oui. Je crois que je ferais bien de vous y emmener, n'est-ce pas? Regarde, Lily, qu'est-ce que tu penses de mon dragon? Mais qu'est-ce que tu fais? On doit pas te voir. Oups. Super, les garçons. Hé, hey, comment tu trouves mes fleurs de cerisier? Elles sont très belles, Odile. Et qu'est-ce que tu penses de mon masque? Il est très beau aussi, Béatrice.
On dirait que tu peux voler avec ses ailes. J'aimerais bien pouvoir voler. Regardez-moi! Je vole! Je vole! Je vole! Yahoo! Je vole! Je vole! Nous volons. Accrochez-vous, jeunes amis. Faut que je vous laisse maintenant. Ça va aller, jeunes amis? Bien sûr, je suis le Chevalier Vert. Parfait. Chevalier Vert, ce ruisseau mène au très vieux cerisier que tu cherches. Si jamais vous avez besoin d'aide, envoyez le son de votre voix dans le vent et je viendrai immédiatement. Bonne chance. Au revoir. Merci, Madame Aigle. Allons-y, écuyer Arnaud, ne perdons pas de temps. Moi, le Chevalier Vert, j'ai promis de rapporter le printemps à notre pauvre Forêtville. Tu veux dire nous? Est-ce qu'on pourrait faire une petite pause, s'il te plaît? Mais on est presque arrivé, Arnaud. Ah, si tu es si pressé, pourquoi tu ne vas pas chercher le printemps tout seul? Moi, j'ai besoin de me reposer. D'accord, j'y vais. Tu y vas? Le grand Chevalier Vert peut rapporter tout seul le printemps, écuyer. Attends-moi ici. Je te prendrai à mon retour, à plus tard. Mais Franklin, j'en étais sûre. Maintenant que Franklin va être grand frère, il n'a plus besoin de moi. C'est bien ce que je pensais. Maintenant, il n'a plus besoin de moi. Et je ne sers plus qu'à l'encombrer. Puisqu'il va s'occuper d'un petit bébé, il ne se souciera plus de moi. Je vais devoir me faire une raison, me débrouiller tout seul à ma façon. Quand papa et maman auront leur bébé, pour eux c'est sûr, je ne vais plus compter. Qu'il ne m'oubliera pas vraiment. Peut-être qu'ils penseront parfois à moi. Mais qu'est-ce que demain m'apportera? Je vais me retrouver très seule, je crois. J'aimais grimper sur sa carapace, car de là-haut la vue était si belle. Mais si je perds mon meilleur ami Franklin, dites-moi ce que je vais devenir. C'est vrai, j'ai un peu peur d'être tout seul, mais c'est sans doute le sort qui m'attend. Je vais aller rejoindre mon ami Arnaud, pour que l'on soit ensemble tous les deux. Peut-être qu'il ne m'oubliera pas vraiment. Peut-être qu'ils penseront parfois à moi. Mais qu'est-ce que demain m'apportera? On sera seul ensemble tous les deux. Mais qu'est-ce que demain m'apportera? Je vais me retrouver très seule, je crois. Au secours! Franklin!
sauveteur, le chevalier vert est là. Est-ce que tu vas bien, Arnaud? Oui, oui, merci, tu m'as sauvé la vie. Comment tu as fait pour arriver aussi vite? J'étais sur le chemin du retour quand j'ai vu que tu avais des problèmes. Sur le chemin du retour? Pour te faire mes excuses, j'étais vraiment désolée de t'avoir abandonné comme ça. Tu veux bien me pardonner? Oh, s'il te plaît. Bon, d'accord, je te pardonne. De toute façon, un chevalier vert a toujours besoin de son fidèle écuyer. Mais sire... Écuyer? C'est encore loin, chevalier. Ça y est, nous y sommes, écuyer. J'ai réussi. J'ai trouvé le vieux cerisier magique. Nous l'avons trouvé. Oh, hey! Hey, arrête! Arrêtez ça! Qu'est-ce que c'était? Bah, je ne sais pas. Mais je pense que ça s'est envolé. Tu crois peut-être que tu vas pouvoir voler mes œufs? Petit dévergondé, je vais te montrer, moi. On n'a rien fait. Personne n'approche mon territoire, éloignez-vous. Fais quelque chose. Laisse-moi sortir de là, tu entends? Si tu ne pars pas d'ici très vite, je recommence, espèce de brute. C'est sûrement le gardien de l'arbre, elle n'est pas commode. Elle est presque aussi petite que moi. Elle doit avoir une force incroyable pour être le gardien d'un arbre aussi gros et aussi important. Madame, votre gardienneté, nous ne voulons pas prendre vos œufs. Alors qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et que voulez-vous? C'est certainement un test pour voir si tu es un gentil chevalier. Je m'appelle Franklin, je suis le chevalier vert de Forêtville. Et lui, c'est Arnaud, mon écuyer. Bonjour. Nous venons d'un endroit où c'est encore l'hiver. Et nous sommes venus chercher les fleurs de votre cerisier. Vénérable gardien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gardien? Je suis Madame Fauvette dit Oiseau Chanteur. Ah, vous n'êtes pas le gardien du cerisier? Eh bien, je garde de mes œufs et mon nid est dans cet arbre. On peut imaginer ce qu'on veut. Pourquoi veux-tu des fleurs de cerisier? Avec ces fleurs, j'apporterai le printemps à Forêtville, vous comprenez? Et tous les gens penseront que je suis le plus brave, le plus grand chevalier du monde. Et ils feront attention à moi. Ce n'est pas une bonne raison pour vouloir cueillir des fleurs du cerisier. Oui, mais... Tu es en train de te comporter comme le chevalier de l'histoire, comme un égoïste. Bon, les enfants, est-ce que vous en avez encore pour longtemps? C'est l'heure du déjeuner et je ne suis pas du genre à picorer. Gardez mes œufs, voulez-vous? Je pensais que tu voulais apporter le printemps pour sauver Forêtville. Je crois que je vais surveiller les œufs comme l'a demandé Madame Fauvette. Si tu ne fais pas attention, le gardien de l'arbre se dira que tu ne mérites pas les fleurs de cerisier. Je les mérite, Arnaud. Ceci devrait les tenir au chaud. Le dragon? Ne bouge pas, j'arrive! Halte là, dragon! Un dragon qui pleure, ce n'est pas possible. C'est peut-être un piège. Hé, hey, toi! Laisse mon petit frère tranquille, tu veux? Tout va bien, bébé? Tu as fait peur à mon petit frère, tu devrais lui demander pardon. Ton petit frère a fait peur. Excuse-nous, on a pris ton petit frère pour un dragon. Un dragon? Tu plaisantes? Je suis Franklin et mon ami c'est Arnaud. On ne voulait pas effrayer ton petit frère, désolé. Oui, désolé. Oh, mais ne t'en fais pas. Je t'avais dit de ne pas bouger pendant que je cherchais des fourmis. Mais j'avais très faim. Tu veux des gâteaux? Ceux-là sont à la mouche, tiens.
Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Je t'en prie. Tu aimes bien t'occuper de ton petit frère, il me semble, n'est-ce pas? C'est sûr. J'adore. Tu sais, je vais bientôt être grand frère, moi aussi. Ah, c'est pas vrai. Je parie que tes parents passent beaucoup de temps avec le bébé et te délaissent un peu, non? Les bébés sont fragiles et innocents. Ils ont besoin de toute notre attention. Tu t'inquiètes parce que tu as peur que tes parents aient moins de temps pour s'occuper de toi quand le bébé arrivera? Je crois que oui, je crois que je suis un petit peu inquiet. Ça ira, tu verras. Hey, lequel des deux tu aimes le plus? Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Et merci. Franklin, tu es vraiment inquiet à l'idée que tes parents s'occupent moins de toi quand le bébé va venir au monde? Oui. C'est drôle, tu sais, parce que moi, je m'inquiétais aussi. Toi, pourquoi? Je pensais que tu serais bien trop accaparé par ton petit frère pour qu'on reste amis. Ça, je peux te dire que ça n'arrivera jamais. Bien entendu, parfois, je passerai beaucoup de temps avec le bébé. Mais ça n'enlèvera rien à notre amitié. Tu seras toujours le plus courageux, le plus gentil et le plus grand pour moi. Que c'est bon. Ces premiers verres de la saison sont délicieux. Je vois que tu t'es bien occupée de mes œufs. Oui. Hélas, nous devons partir maintenant. Mais on n'a pas pris de fleurs du cerisier. Je ne les mérite pas, je ne mérite aucune fleur. Tu avais raison, Arnaud. J'ai agi exactement comme le chevalier vert. Comme un égoïste. Hé ! Attends ! Je croyais que tu voulais apporter le printemps à Forêtville. Oh oui, tous les habitants de Forêtville sont vraiment très inquiets de ne pas voir venir le printemps. Et j'aimerais tant qu'il n'ait plus à s'en faire. Écoute, mon enfant, je trouve que c'est très généreux de ta part de souhaiter ce genre de choses. C'est vrai? Oui, très très généreux, vraiment généreux. Je dirais même que tu es plus que digne. Ô grand chevalier vert, en tant que gardien du cerisier, je te permets de prendre autant de fleurs que tu le désires. C'est vrai? Oui, prends tout ce que tu veux. Est-ce que ça te semble bien comme armure de chevalier? Tu devrais peut-être prendre des couvercles de poubelle en plastique, Martin. Ça ferait beaucoup moins de bruit. Bonjour les enfants, il est l'heure de déjeuner. Nous avons prévu des sandwichs pour tout le monde. Merci, Madame Tortue. Où est Franklin? On croyait qu'il était avec vous. Nous pensions qu'il était venu ici vous aider. Où peut-il bien être? Hier soir, il m'a demandé où il pourrait trouver un très vieux cerisier. À moi, il m'a demandé où il pourrait trouver un fidèle écuyer. Et il m'a demandé ce que pouvait emporter le chevalier vert en voyage. Arnaud n'est pas là non plus. Il est peut-être avec Franklin. Ne sois pas inquiète, chérie. Je suis sûre qu'il va très bien. Content, nous avons réussi. Waouh, ça c'est vraiment une grande montagne. La vue est magnifique d'ici. On voit même tout Forêtville. C'est génial. Eh oh. Allons-y, il faut qu'on se dépêche. Le futur printemps de Forêtville est entre nos mains. Oh, fais attention. Je fais toujours attention. Ça va pour toi, Arnaud? Ouais, c'est super. Ouais. Oh. Accroche-toi. Bien joué. Oh.
Oh, merci. Oh, le baluchon de fleurs. Oh! Est-ce que tu peux le voir? Oui, il est accroché à une branche. Je ne pourrai pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas apporter le printemps sans les fleurs. Oui, je sais. Et puis en plus, on est si loin de tout. Oh! Madame Aigle! Madame Aigle! Madame Aigle! Madame Aigle! Madame Aigle! Ils ont dû prendre ce chemin. Le vieux cerisier est à peu près à 2 kilomètres de là. Je propose qu'on forme des équipes au cas où il serait déjà sur le chemin du retour. Excellente idée. Je viens avec vous. Oh oui, on va aller chercher nous aussi. Oui, d'accord. Hein? Attention, on arrive. Ah, on arrive, on arrive. Regardez, c'est Franklin et Arnaud. Ils volent. Là, nous étions tellement inquiets. Tu n'es pas blessée? Non, je vais très bien, maman. Hé, qui est-ce? Oh, n'ayez pas peur, c'est Madame Aigle. Elle est vraiment très gentille. Bonjour. Bonjour. Mes hommages. Oh, bonjour. Merci infiniment d'avoir accompagné Franklin. Nous commencions à être fort inquiets, vous savez. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. Mais permettez que je m'envole. J'ai mes petits aiglons qui attendent après moi. Au revoir, Madame Aigle. Au revoir, Madame Aigle. Encore merci. Au revoir. Et revenez nous voir vite. Franklin, dis-moi, pourquoi t'es habillé comme le chevalier vert? Parce qu'il est le chevalier vert, mademoiselle. Regardez ce qu'on a trouvé. Waouh! Les jolies fleurs de cerisier. Oh, elles sont magnifiques. Bon voyage, hiver! Nous te souhaitons la bienvenue, printemps! Ce n'est pas grave, tu as essayé. Mais je pensais que le printemps allait apparaître. Oh, mon chéri, tu sais, c'était seulement une histoire. Mais tu y as mis tout ton cœur, c'est bien. Ah, et si le printemps n'arrivait jamais? Wow! Oh, Franklin, regarde! Les fleurs de cerisier ont fait leur travail, le printemps commence à se montrer. Oh oui, un crocus. Waouh. Incroyable, tu as réussi, tu as réussi. Toi aussi, Arnaud. Excusez-moi, mais il y a encore de la neige partout autour de nous. Ça veut dire tout simplement que le printemps n'est pas encore arrivé. Oui, peut-être, mais reconnais que c'est un début. Tu vois, encore un signe du printemps. Ouais. Ouais.
printemps est arrivé! Bravo! Excellent travail! Tu as joué à la perfection, j'ai vraiment cru que tu étais le chevalier vert. Il y a mis tout son cœur, c'est pour cela, n'est-ce pas, trésor? Ça c'est sûr, mamie. Oh, oh là là! C'est le moment. Le moment? Oh, mes aïeux, c'est le moment. Le moment pour quoi? Pour le bébé, Franklin. Docteur Ours, c'est le moment. Maman! Oh, nous serons bientôt de retour, mon chéri. Ne t'inquiète pas, ça va passer vite, dans quelques heures, ils sont là. Et tu seras grand frère, mon chéri. C'est grand-tante Harriet qui a envoyé ce mobile, Sam. J'espère que le bébé va l'aimer. Ils ne sont toujours pas rentrés. Pourquoi est-ce qu'ils sont si longs? Tu n'as pas dit deux mots de toute la soirée. Ça fait des heures qu'ils sont partis, mamie. Si on allait se promener un petit peu, il fait tout dehors. Et j'ai quelque chose à te montrer. Cette jolie traîne d'étoiles s'appelle la Voie lactée. Ferme tes yeux. Je vais en attraper une pour toi. Tu ne peux pas attraper une étoile dans le ciel. Tu peux les ouvrir maintenant. Quand j'étais une petite fille, à chaque printemps, nous allumions une bougie. Nous faisions un souhait. Et puis, nous laissions la bougie avec notre souhait partir au fil de l'eau. Ce que je souhaite, c'est voir toute ma famille à la maison ce soir. Franklin, viens vite près de moi que je te présente ta petite sœur. Ah. Elle est drôlement petite. Mais elle va grandir, comme toi, mon grand. On dirait que le mobile de tante Harriet plaît beaucoup à ma petite sœur. Oui, j'en ai bien l'impression. Avez-vous trouvé un nom pour cet enfant? Oh, nous avons plein d'idées, mais... Je sais! Si on l'appelait Harriet, grand-tante Harriet offre toujours les plus beaux cadeaux. C'est elle qui t'a donné le livre du Chevalier Vert, maman. Et c'est... Tu te souviens lorsque je suis née que tu es rentrée avec moi à la maison? C'est un jour que je n'oublierai jamais, mon Chevalier Vert. Oh! J'allais oublier! Oh! Tiens, c'est pour toi, Harriet. Au fait, moi, je m'appelle Franklin. Je suis ton grand frère et je t'aime. Le premier présage
d'un nouveau paysage. Car le printemps est très impatient. Fondu la glace, adieu les congères. Va-t'en, bonhomme hiver, bon vent jusqu'à l'année prochaine. Regarde-le grandir, comme toi et moi. Le voici avec ses amis. Ils ont des histoires, ils ont tout leur.